C'est le téléphone de ma grande sœur qui est en train de sonner. Et Lady Diva est encore en train de dormir. Lady Diva, réveille-toi. Je pense que je devrais éteindre ce réveil. Ah, il y a le message de ma meilleure amie Queen Bee. Queen Bee aussi se lève tôt comme moi. Pourquoi c'est autant comme ça? Nous, les petites sœurs, on se lève avant les grandes sœurs. Je sais pas pourquoi on dort pas beaucoup. Bon, je vais poser le téléphone. Oh là là, oh là là. Diva, il fallait que tu me réveilles. Alors, je fais quoi d'abord? Je pense que je vais prendre une douche. Moi, je vais répondre à ma copine pendant ce temps-là. Ma meilleure amie Queen Bee, on est tout le temps ensemble. Oui, Queen Bee, ça va super et toi? C'est bon, tu es déjà prête? Et même ta grande sœur? Bah, moi aussi, je me prépare vite. Allez, salut! C'est bon, Lady Diva, tu es prête? Non, pas encore, Diva. Attends 2 minutes. Mais dépêche-toi, je dois me préparer moi aussi. Bon, je ramasse le pyjama, c'est parti. C'est bon, petite sœur. Ah, enfin, il serait temps. Et je dois m'occuper de mes cheveux aussi. Pas moi. Bon, mon teint, il est bien préparé, bien frais. Juste passer de l'eau, je pense que ça ira. De toute façon, c'est qui la meilleure? C'est qui la meilleure? Eh bien, c'est moi, Lady Diva. Bon, je vais me rincer le visage. Le minimum, quoi. Tout. Ah oui, c'est moi la plus belle. Je sais, je suis la meilleure. Les filles, il faut que vous dites tout le temps, on est toutes belles. On est bien d'accord? Et en plus, c'est vrai. On est toutes belles. Vous êtes les meilleures, croyez-moi. Vive la girl power attitude. C'est bon, je pense. Pas besoin de me coiffer, comme vous pouvez le voir. J'ai des jolis cheveux. Plutôt les meilleurs. Mais non, je rigole. Bon, je vais quand même m'habiller. Alors, j'ai mon sac. Ce n'est pas du vrai cuir, ne vous inquiétez pas. Je fais très attention aux animaux. Sinon, j'ai aussi mon manteau, fausse fourrure, bien sûr. Et surtout, j'adore mes chaussures. Ce sont mes préférées. Ma sœur, elle aussi, elle adore les bottes. De toute façon, on adore la mode. On est vraiment pareil. Bon, bah voilà, moi, je suis prête. Il ne reste plus qu'à attendre Diva. C'est bon, Diva, on peut y aller, t'es prête? Non, pas encore, je dois juste me brosser les dents. Quoi? Tu ne t'es pas encore brossé les dents? Bah non, j'ai pas eu le temps. C'est toi qui étais en retard, je te signale. Sache que j'ai pris du temps pour me coiffer aussi, hein. C'est pas très simple d'être une diva. Ah ouais, t'es comme moi. On est d'accord. Bon, je vais me brosser les dents vite fait. Et voilà les amis, c'est fini pour nous. J'espère que notre morning routine vous aura plu. Il est l'heure d'aller pour nous. Oui, on y va. Mais tu ne leur as pas annoncé une bonne nouvelle? Non, quelle bonne nouvelle? Il y avait une bonne nouvelle à annoncer? Bah bien sûr. Enfin, je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Juste que restez connectés, il y aura de nouveaux styles de vidéos bientôt sur la chaîne de Miss Licious Paris. Et je pense que ça va vous plaire. Alors, à bientôt pour d'autres aventures. Gros bisous à vous tous! Une nouvelle année, donc de nouvelles victimes cette année. Je vais essayer maintenant de récupérer les Miraculous. J'en suis sûr que cette fois j'y arriverai. Monsieur? Nathalie, qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, monsieur. En fait, il y a Lila. Elle voudrait vous rencontrer. Vous lui avez dit de venir ici? Faites-la rentrer. Vous allez la rencontrer comme ça? Oui. De toute façon, elle me connaît. Maintenant, elle sait que je suis le papillon. D'accord, très bien. Je vais l'appeler. Merci, Nathalie. Lila va m'aider à accomplir cette mission. J'ai vraiment besoin d'elle. Bonjour, monsieur le papillon. Bonjour, Lila. Tu vas bien?
Oui, mais vous me faites peur, vous savez. Si vous enlevez tout ça. Je suis méchante, mais pas à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Désaccommodation. Ça va mieux maintenant? Ah oui, beaucoup mieux. Merci. Vous êtes un homme vraiment stylé. J'adore ce que vous faites. Et si il y a une place pour moi dans votre entreprise? Je ne t'ai pas appelé pour ça, tu sais. Oh, d'accord. Au moins, j'aurais essayé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'espère que cette année, j'aurai quelque chose d'intéressant. Parce que à force de faire des choses nulles, on dirait que je suis nulle. Et moi, je veux Adrien. Vous le savez. Oui, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ne t'inquiète pas, tu auras ton Adrien. Ah oui, et quand? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Eh bien, pour ça, tu devras m'écouter. D'accord, je vous écoute. Racontez-moi tout. En effet, je voudrais récupérer, comme tu sais, les Miraculous. Celui de Chat Noir. Ah bon? Et pas celui de Ladybug? Non, seulement de Chat Noir. Ladybug, elle viendra à son secours. Et comme ça, j'aurai les deux Miraculous. J'en suis sûr et certain. Alors vous avez un plan? Nous allons kidnapper Chat Noir. Ah bon? Direct? Bon ben, si vous le dites... C'est mon fils, je sais. Mais on fera attention. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Agrest. Je pense à Adrien, moi aussi. Oui, c'est tout. Très bien. Et sinon, comment on va faire la suite? Écoute-moi, tu verras. C'est vraiment très simple. Et cette fois, la victoire nous appartiendra. Ah bah, il serait temps. Bon bah, allez-y alors. Alors voilà, écoute. Ça se passera comme ça. Voilà. Tu connais tout maintenant. Ah oui, quand même, hein. Bon bah, j'espère réussir et avoir mon Adrien juste pour moi. Marinette en a assez profité de lui. Oh, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Oui, tu as raison, Marinette. Oui, ça fait longtemps, tu te rappelles? La dernière fois qu'on est sortis ensemble, je m'en rappelle plus. Tellement ça fait longtemps. Et oui, et aujourd'hui on est habillés comme au collège, tu te rappelles? Oui, on a toujours les mêmes vêtements. Tu es toujours aussi belle, Marinette. Oh, merci Adrien. Mais je t'adore moi aussi. Ah mais attends, qui m'appelle? Ah, qui ça? Oh tiens, c'est mon père qui m'appelle. C'est bizarre. Tu vas décrocher? Vu qu'il t'en voulait tellement. J'espère qu'il a un petit peu compris. Père ne me parle pas depuis très longtemps. Bon bah vas-y, décroche-le. D'accord. Oui père, je vais bien et vous? Vous voudriez me rencontrer, c'est ça? Je peux passer demain si vous voulez. Hein? Aujourd'hui? Bon, bah d'accord, j'arrive. Ah, tout de suite? D'accord, j'arrive. Merci, père. Alors, il t'a dit quoi? Eh bien, il m'a dit de passer. Quoi, là, tout de suite? Oui, c'est ça. Bon, bah Marinette, je reviens. Occupe-toi des enfants. Je viendrai avant l'heure de manger. Ah, d'accord. À tout à l'heure, Marinette. Adrien, attends. Prends soin de toi, s'il te plaît. J'ai pas envie de te perdre. Mais ne t'inquiète pas, je vais juste voir mon père. Oui, mais bon, quand même, tu sais qui est ton père. Oui, ne t'inquiète pas. Il ne me fera pas de mal. Très bien. Bon, ben, prends soin de toi quand même. Oui, occupe-toi des enfants, s'il te plaît. Merci. Oh, je m'inquiète tellement. J'espère que tout va bien se passer. Bon, je vais voir les enfants. Rentrons à la maison. Alors, petite dédicace pour Chantal P, Christy Ourani, Madison Vivet, Laurie YouTube, Tagada Chan. Gros bisous à vous tous. Thank you.